Aimeriez-vous être une personne toujours joyeuse, bien reçue de tous les côtés? Le roi David nous donne l'orientation de ce que nous avons besoin de faire. Et vous me demandez, qu'est-ce qu'il a déclaré missionnaire? Voyez bien le psaume 101, verset 1er. « Je chanterai la fidélité et le jugement. Seigneur, que je chanterai. » C'est réglé. Quand vous commencez à chanter sur la miséricorde de Dieu, parce que voyez, elle a raison pour que nous ne soyons pas consommés. Elle n'a pas de faim, elle est très riche, elle se renouvelle chaque matin. Et donc vous pouvez faire une belle chanson, que votre vie soit une chanson de la miséricorde du Seigneur Dieu et aussi du jugement de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous jeter en enfer, non. Le jugement de Dieu veut dire que vous allez obtenir la guérison, la libération, parce que cela, c'est un don de Dieu pour vous, au nom de Seigneur Jésus. Allons maintenant voir une personne raconter la bénédiction qu'elle a reçue et je reviens après. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui? C'était mon dos. Mais il vous a guéri. Il m'a guéri. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire que vous avez fait? Abaisser. Eh bien, abaissez-vous car je veux voir ça. Voyez, amenez ce jeune ici parce que je l'ai vu arriver ici très mal en point. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici en marchant? Elle était très mauvaise, la situation. Elle était mauvaise. Vous avez eu un AVC il y a longtemps? Ça fait 3 ans, maintenant le 6. J'ai eu un AVC dans la cuisine, j'ai chuté, j'ai passé 19 jours internés. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Je marchais comme ça, voyez. Qui l'a vu arriver de cette façon ici? Vous l'avez vu arriver? Vous l'avez pas vu? Moi aussi, je l'ai vu. J'ai dit alors, celui-ci a besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Marchez normalement au nom de Jésus. Que c'est beau cela, mes amis. Voyez ça, messieurs, dames. Et... il est comme celui du temps de la belle porte. Il a marché chantant « Et louant Dieu, baissez-vous maintenant. Baissez-vous maintenant. Baissez-vous, il n'a plus rien, mes amis. Notre Dieu est formidable, mes frères. Oh, alléluia. Je reviens pour prier avec vous, Père. Tes jugements déclarent que nos infirmités, maladies, douleurs et choses semblables ont été placés sur Jésus, que tous nos péchés, fautes, méchancetés ont aussi été placés sur lui. Donc, Père, nous n'avons pas à souffrir. Au nom du Seigneur Jésus, je bénis toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi et je dis, mal, sors de ces vies. Au nom de Jésus, Amen.